7 points en 3 matchs, la spirale est positive pour le Mans FC. Les Manceaux visent un quatrième match sans défaite. Un succès ce soir face au Stade Lavallois rapprocherait encore un peu plus Denis Zanko de l'objectif du maintien. Ce serait très prétentieux de notre part de penser qu'aujourd'hui tout est fait. J'ai presque envie de dire que le plus dur reste à faire. Donc voilà, sont les. Mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là et nous on sait depuis très longtemps. Le discours des joueurs est tout aussi prudent. Les derniers résultats sont positifs, mais pas question de s'enflammer à l'image de Geoffrey Cuffaut. On a vraiment pris conscience que fallait tous se serrer les coudes et tous tirer dans le même sens pour absolument se sortir de là, quoi. Et le derby pour Denis Zanko a forcément une saveur particulière. L'entraîneur du Mans FC est mayennais. Il a été l'adjoint de Philippe Insberger, l'actuel entraîneur du Stade Lavallois. Lui aussi à la lutte pour le maintien. Sur le plan émotionnel, je pense qu'il faudra justement faire abstraction de ça. Et Philippe, de son côté, également, parce qu'il y a des enjeux forts pour les deux clubs. Donc voilà, c'est un petit peu l'ironie de l'histoire. Voilà, il y a des raccourcis qui parfois nous amènent sur ce genre de situation. Et après Laval, les Manceaux se déplaceront mardi à Guingamp avant de recevoir le leader Bastia dans une semaine. Un tournant en cette fin de saison, 2 succès, 6 points et les Manceaux seraient assurés de repartir pour une nouvelle saison en Ligue 2.